Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter de l'aquarelle pailletée. Vous allez me dire encore vu que je vous ai déjà présenté une palette il n'y a pas très longtemps. Je l'ai achetée sur AliExpress. Je vous marquerai sur l'écran quand je ferai le montage. Donc nous allons faire le déballage ensemble. Ce sont des dupes, vous savez, de l'aquarelle chinoise. Des emballages sont comme ça. C'est des semi-grim watercolor. Bon, il y a trois petites palettes. Et une palette comme ça. Bleu. Une palette. Comme ceci. Et la troisième. Elle est comme ceci. Donc voilà. Donc on va les ouvrir ensemble. Et on va voir la pigmentation. Comment elle est à l'intérieur. Jusqu'à ce que je retrouve mon cutter. Génial. J'ai reçu un mètre. Je vais vous présenter la première. Sont belles les couleurs, je les adore. On va faire un test ensemble. J'aime bien celle-là, elle est magnifique. Et celle-là. J'aime bien la couleur cuivre ici. Donc voilà. Donc, je vais chercher un papier aquarelle. Je crois que j'ai un bout de papier qui traîne par là. Bingo. Alors. Ah bah en même temps, on va faire le nuancier ensemble. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Ça. Voilà. Je sais pas si je dois. On va faire tout comme ça. C'est une bonne taille en plus. C'est génial. Attends, je vais juste voir si tout y rentre. Pas la trempe. Et les trois palettes rentrent. Génial.
mettre le titre ici. Ensuite, on va utiliser une palette pour faire les dimensions. Et j'ai envie, parce que sinon les trois vont pas rentrer. Et je fais la dimension, ouais, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre les dimensions des trucs, des godets. Voilà. J'ai fait ça comme ça. Je ne me trompe pas. Vous savez quoi? Des fois, je suis blonde. Hein. Faut pas chercher midi à 14h. Vu que les trucs sont ronds. On va en prendre une comme ça. Une comme ça. Et on va faire comme ça, j'ai les dimensions. Des pas dégoûté. Ensuite, j'ai encore envie de faire un truc. Quand je vous dis que je suis blonde, je suis brune avec les cheveux gris, mais je suis blonde. Quand vous n'avez pas de règles, utilisez les godets. On va utiliser un godet qui n'a pas de peinture, qui a tracé. Pour faire une immense. Ensuite,
qui perfectionne l'histoire. On en entend. On va marquer le nom de la marque. Des palettes. Alors c'est... Je sais pas si vous allez voir. Le premier, si, c'est le blanc, logiquement. On voit pas très bien. Oui, et surtout préparer un tout chou. On va utiliser cette couleur là. Je vais vous montrer les deux couleurs. Surtout cette couleur là, elle est magnifique. Hop. Je sais pas si vous allez me voir ou pas. Regardez comme le blanc, il est ultra. Oh, c'est magnifique. Alors je ne sais pas pour vous, mais je trouve que celle-là et celle-là, elles se ressemblent beaucoup.
celle-là, quand je vous dis que c'est ma préférée, je sais pas si on voit son pinceau. Je trouve que la couleur ici, elle est magnifique. Voilà pour ce papier. Palette. Et je trouve qu'en plus les couleurs sont très recouvrantes, ils recouvrent pas assez bien le papier je trouve. Après pour dire qu'elles sont pailletées, je dirais plutôt pas pailletées mais nacrées, elles sont pas vraiment pailletées hein. Ah si si si, bah faut pas si vous le voyez, sont magnifiques. Surtout j'aime. Ah, par contre je trouve que celle-là et celle-là, elles se ressemblent un peu. Je sais pas pour vous. Faire la bleue. Donc voilà les couleurs. Bon, j'aime bon, celle-là, la couleur verte, ça fait un caca doigt. Je vous montre pas ça. Voilà les couleurs. Voilà. Je trouve qu'elles sont bien recouvrantes. Je les trouve très belles. Alors mon avis sur cette aquarelle, un peu pailletée, un peu nacre. Moi j'irais plutôt des couleurs nacrées que pailletées. Comme vous voyez ici, bah, j'irais plutôt nacrées. Des couleurs nacrées. Je les trouve très belles. Elles sont magnifiques. Cette présentation d'aquarelle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bon coloriage à tous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. À bientôt, au revoir.